Renouveau Télé, l'atelier totalement votre, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue aux informations, les titres. Pour venir en aide aux victimes d'inondations, d'insécurité, la Croix-Rouge malienne vient de lancer un plan de réponse à l'urgence humanitaire complexe. Elle envisage pour ce plan de mobiliser plus de 5 milliards de francs CFA pour soutenir 200 000 personnes en situation difficile. Une fois de plus, Dr Etienne Fakaba Sissoko doit attendre pour être situé sur son sort par la justice malienne. Le délibéré de la demande de citation à comparaître le contentieux de l'État est prévu pour le 16 décembre prochain. Les détails dans quelques instants. Religion, le 53e pèlerinage national à Quito a mobilisé plus de dizaines de milliers de fidèles chrétiens catholiques le week-end dernier. En plus de l'aspect spirituel, ces journées constituent une véritable source de revenus pour les populations. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Sous la présidence du secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement Social, la Croix-Rouge malienne a procédé ce lundi 2 décembre 2024 dans un hôtel de la place au lancement du plan de réponse à l'urgence humanitaire complexe au Mali. Insécurité alimentaire, inondations et les déplacements de population. Soutenu par la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, la Croix-Rouge malienne, à travers ce plan, cherche à mobiliser 5,6 milliards de francs CFA pour soutenir 200 000 personnes en situation difficile dans notre pays. Bakary Mcdibé. Les effets combinés de l'insécurité alimentaire, du déplacement internisé des récentes inondations touchent environ 2 millions de personnes. Parmi la population touchée par l'insécurité alimentaire, estimée à 1,3 million de personnes, plus de 120 000 d'entre elles sont en situation d'urgence absolue. Avec les récentes inondations, près de 370 000 personnes sont affectées. Face à cette situation alarmante, la Croix-Rouge malienne, en tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire, à travers ses plans, s'est engagé à agir avec détermination. Donc l'objectif, c'est de faire appel à l'altruisme, de faire appel aux bonnes volontés au Mali et à l'extérieur pour aider la Croix-Rouge malienne à mobiliser les ressources humaines, les ressources techniques, mais aussi les ressources financières pour venir en aide à ces populations qui ont été durement impactées par ces fléaux. Nous disposons déjà d'un plan de réponse et cet appel-là s'inscrit dans le plan de réponse. Et ce plan de réponse nous permettra effectivement de pouvoir travailler avec les services techniques de l'État pour identifier les populations les plus vulnérables. Ce travail s'inscrit dans un cadre de collaboration avec les autorités nationales, mais aussi avec les sociétés nationales partenaires et d'autres acteurs humanitaires œuvrant dans le domaine. Lors des récentes inondations, la Croix-Rouge malienne a démontré une fois de plus son rôle indispensable à travers la distribution des biens essentiels, les évacuations d'urgence, la sensibilisation des communautés sur les risques sanitaires. Elle a été là et partout où le besoin était le plus pressant, mais face à l'ampleur des défis, son action doit aujourd'hui être intensifiée. En tant que gouvernement, nous voyons dans ce plan de réponse, bien qu'une réponse immédiate à une urgence, mais nous voyons un engagement fort pour construire un avenir plus résilient pour nos communautés. Dans ce contexte, il est essentiel de saluer l'inestimable contribution de tous les acteurs humanitaires, dont la Croix-Rouge malienne, soutenue par ses partenaires du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Depuis des décennies, cette organisation est un pilier de l'action humanitaire au Mali. Ce plan d'envergure ambitionne de fournir une assistance holistique à 200 000 personnes réparties dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sigasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, ainsi que dans le district de Bamako, en répondant aux défis complexes auxquels elles font face.
Situation des Fama à Tinzawatène. Ils sont au total 8 leaders du nouveau Front pour la libération de l'Azawad, un mouvement rebelle au VET indépendantiste, à être tué dimanche 1er décembre 2024 à Tinzawatène dans la région de Kidal, à la frontière algérienne, suite à des frappes de drones de l'armée de l'air malienne. Il s'agit de Shogib Ag Atahar, Al-Baraka Ag Al-Faki, Moussa Ag Bay Diknan, Bachara Ag Ahmed, Farad Ag Almoud, Mohamed Ag Asherif Di Mafik, Sidi Ag Bey et Jamal Ag Al-Baraka. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a présidé le jeudi 28 novembre 2024 la cérémonie d'inauguration de la station de jaugeage de camions-citernes de l'Agence malienne de métrologie située sur la route de Sénou en face de l'Office national des produits pétroliers ONAP. Cette infrastructure permettra à l'agence de fournir directement le service de jaugeage des camions-citernes au bénéfice des transporteurs conformément à sa mission de contrôle. Fatmata Dambélé, compte rendu. Bâtie sur une superficie d'un hectare, la station de jaugeage de camions-citernes de l'Agence malienne de métrologie AMAM abrite deux plateformes de jaugeage, dont trois jaugés étalons, une bâche à eau, un forage équipé, un bureau de techniciens, un loge gardien ainsi que des toilettes. L'opportunité offerte me permet de revenir sur l'importance de la métrologie. De vérifier la fiabilité des mesures pour limiter les risques d'incertitude et faire en sorte de travailler avec des instruments de précision. Elle est impliquée dans la plupart des aspects de notre vie quotidienne commerciale, économique, industrielle, environnementale et sanitaire. Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, cette nouvelle station de jaugeage témoigne de la volonté du gouvernement à accompagner l'AMAM dans l'accomplissement de ses missions. Le modèle de développement économique proposé à notre pays par le président de la transition chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, est le développement endogène. Ce développement endogène repose sur notre capacité à produire nos biens de consommation, nos biens d'équipement et nos biens de service. Notre capacité à nous approprier de nos ressources naturelles. Et enfin, notre capacité à réaliser les infrastructures de base pour assurer un développement économique participatif, inclusif et durable de notre pays. Dans cette dynamique, et pour soutenir ce développement endogène, la promotion des produits de qualité est indispensable pour assurer le bien-être de nos populations. La fraude, les contrefaçons, la concurrence déloyale constituent des menaces pour notre économie. La coupure du ruban par le ministre de l'Industrie et du Commerce et la visite guidée de la station de jaugeage de camions-citernes ont mis fin à cette cérémonie d'inauguration. Procès en appel de Dr Etienne Fakava Sissoko, le délibéré attendu pour le 16 décembre. En effet, le feuilleton judiciaire du Dr Etienne Fakava Sissoko continue. Il doit une fois de plus attendre pour être situé sur son sort. Le délibéré de la demande de citation à comparaître de la Direction générale du contentieux de l'État, qui est partie civile dans cette affaire, est prévu pour le 16 décembre prochain. Pour en savoir davantage, écoutons les explications de l'avocat de la défense, maître Ibrahim Marouf Sako, au micro de Keita Gabriel. Bon, nos attentes sont connues hein, depuis ces longs mois qu'on crie haut et fort l'innocence d'Etienne Fakava Sissoko. Nos attentes ne peuvent être que la relaxe. Nous pensons que la cour d'appel va le déclarer non coupable des faits qui lui sont reprochés. Et le relaxer sans peine ni dépens. Les débats ont été bien conduits. On a posé toutes sortes de questions. Etienne Fakava Sissoko a pu s'expliquer, largement s'expliquer hein, sur ses motivations, sur la nature de son écrit, de son livre notamment.
Et sur ses intentions, il a donné ses preuves, ses justifications ont été données. Je pense que la Cour a compris. On verra au délibéré qui est prévu pour le 16 décembre. Un atelier de validation des recommandations issues d'une recherche approfondie sur l'exploitation sexuelle en ligne, la cyberintimidation et la cybercriminalité ciblant les filles et les jeunes filles a eu lieu ce samedi 30 novembre 2024 à Bamako, organisé dans le cadre du programme She Leads, soutenu par ECPAT International. L'objectif de cet atelier est de combler une lacune essentielle dans la compréhension des expériences vécues par les filles et les jeunes femmes face à ces fléaux. Bathilde Lomadi. La cybercriminalité et l'exploitation sexuelle en ligne sont des phénomènes en pleine expansion, aggravés par la prolifération des technologies numériques et l'accès croissant à Internet. Les filles et jeunes femmes en particulier se trouvent souvent exposées à des risques accrus et leurs voix méritent d'être entendues. Après 3 ans de recherches conduites par des filles et des jeunes femmes, les résultats mettent en lumière des témoignages poignants illustrant les défis quotidiens liés à la sécurité en ligne, à la cyberintimidation et aux enjeux de la cybercriminalité. Le programme Chilic, d'abord, c'est un programme quinquennal de 5 ans qu'on a commencé à mettre en œuvre au Mali en 2021 et qui prendra fin en 2025. C'est un programme de leadership féminin qui vise vraiment à accroître l'influence durable des jeunes filles. Et ce qu'on a pu remarquer généralement, c'est que les filles sont plus victimes de tout ce qui est usurpation d'identité en ligne et surtout de l'utilisation inappropriée de leur image dans les plateformes digitales. Et entre autres, on peut également remarquer qu'elles reçoivent des messages très haineux ou des insultes en fonction même de leur engagement, que ce soit dans le domaine de l'activisme ou d'autres aspects. En fonction de leur propre engagement, elles reçoivent des messages haineux et elles se font harceler vraiment en ligne. Il y a eu des victimes qui ont témoigné et on a leur témoignage. C'est ça même qui nous a permis de faire le rapport qui doit être validé aujourd'hui par les filles et les jeunes femmes. L'atelier a rassemblé des acteurs clés qui ont discuté des recommandations formulées à partir des résultats de la recherche afin de les valider et d'identifier les meilleures stratégies pour protéger cette tranche de la population vulnérable. Pour atteindre les objectifs du programme régional panafricain, Chilip et PAT International a fourni des plateformes aux filles et aux jeunes femmes pour amplifier leur voix, participer au changement social et travailler activement et de manière significative pour influencer les structures, les stratégies d'exploitation et d'abus sexuels sur les enfants en ligne. L'objectif de cette recherche est d'avoir des données probantes qui permettront de plaider en faveur de la réduction, voire de l'éradication des risques de vulnérabilité et des préjudices croissants auxquels les jeunes, en particulier les filles et les jeunes femmes, sont confrontées en ligne dans la région. Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large visant à créer un environnement plus sûr pour les jeunes femmes en Afrique. La voix des filles et des jeunes femmes est au cœur de cette démarche et il est impératif de leur donner les moyens de s'exprimer et de participer activement à la définition des mesures de protection qui les concernent. Et par ailleurs, l'aide de l'Église norvégienne en collaboration avec ses partenaires du programme Debo Alafia a organisé un cocktail pour la clôture de la deuxième phase du programme. Selon les responsables du programme, une avancée significative dans la promotion des droits reproductifs et sexuels des jeunes femmes, des jeunes filles et des adolescentes a été enregistrée dans notre pays. L'événement a eu lieu le jeudi 28 novembre 2024 dans un hôtel de La Place, la Sindiakiti. Ce cocktail avait pour but non seulement de faire le bilan des activités réalisées, mais aussi de célébrer les différentes réalisations et d'honorer l'engagement des communautés, des leaders locaux et des partenaires de mise en œuvre. Pour les organisateurs, l'objectif de ce programme est atteint. Le programme de Bo Alafia, comme son nom le dit, c'est vraiment action concertée dans le cadre de la lutte contre les PTN, les pratiques néfastes
mais aussi avec des composantes comme la santé de la reproduction, mais aussi le planning familial. C'est un programme, en fait, qui avait une vision très claire. Son objectif, c'est vraiment contribuer à la transformation des normes sociales au niveau communautaire, afin de booster les indicateurs en matière de planning familial, en matière de lutte contre le mariage des enfants, mais aussi tout ce qui est pratique d'excision. Le programme Debo Alafia a été financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas qui, à travers son représentant, a salué l'aide de l'Église norvégienne et ses partenaires du programme Debo Alafia pour les missions accomplies. Nous sommes très satisfaits des résultats du projet. Et comme vous le savez, l'ambassade des Pays-Bas apporte un soutien à l'effort des Maliens. Donc les organisations membres du consortium ont fait les efforts nécessaires avec l'appui des services techniques de l'État, notamment les services décentralisés du ministère de la Promotion de la Femme et aussi le ministère de la Santé et l'Administration. Et donc nos efforts vont dans le sens, comme je l'ai dit, d'apporter un appui aux efforts des Maliens et notre satisfaction était totale parce que le projet a beaucoup travaillé sur la santé de la mère et des jeunes femmes. Et dans ce domaine, vous avez vu les résultats qu'ils nous ont présentés et ces résultats sont entièrement satisfaisants. A rappeler que la deuxième phase du programme Debo Alafia a été lancée en juillet 2020 dans 5 régions du Mali avec une vision claire, que toutes les femmes et filles puissent jouir pleinement de leurs droits reproductifs et sexuels d'ici 2024. Du 25 au 29 novembre 2024, Global Platform Mali, en partenariat avec le Bureau malien des expulsés, a organisé un atelier de formation sur le changement climatique et la justice climatique. Tenu à Bamako, dans un hôtel de la place, il a permis aux participants de renforcer leur capacité sur les enjeux majeurs liés aux défis climatiques. La Cindy Akite nous revient. Cet atelier visait à sensibiliser, éduquer et renforcer les capacités des participants face aux effets dévastateurs du changement climatique tout en mettant l'accent sur les principes de justice climatique. Au cours de la formation, les participants ont eu l'occasion d'explorer des thématiques cruciales telles que l'impact du changement climatique sur les communautés vulnérables, les inégalités générées par les crises environnementales et les solutions locales et mondiales pour atténuer ces effets. L'objectif de cette formation, c'est vraiment de mettre les jeunes, les donner au maximum d'informations sur la thématique en question, c'est-à-dire la justice climatique et les changements climatiques, qui est un fléau vraiment que la population malienne est en train de vivre dans ces derniers temps. C'est le sujet d'ailleurs qui est d'actualité. Et aujourd'hui, au cours de cette formation, la jeunesse qui sont ses membres de JPU ont tiré beaucoup de conclusions par rapport aux informations données sur ces thématiques. L'AME, au nom de l'AME, on tient vraiment à remercier l'ensemble des jeunes JPU et aussi notre partenaire financier Danida qui finance ces projets SPA 2 au Mali. Donc, nos sincères remerciements aux jeunes qui sont très engagés pour les formations. Quand on les appelle, à tout moment, ils sont disponibles pour les formations. Les participants ont été formés aux outils et aux stratégies nécessaires pour promouvoir une justice climatique garantissant aux populations plus de participation dans les politiques climatiques. Cette session de clôture a permis aux participants de partager leurs réflexions et s'engager à promouvoir des actions concrètes dans leur communauté. Je souhaiterais que cela ne serait pas une dernière fois. Il faudrait toujours multiplier ce genre de formation puisque vous n'êtes sans savoir que ce fléau a vraiment un fléau qui presque tape le monde entier. La formation a été vraiment à la hauteur. Bien évidemment, c'était la justice climatique, surtout le financement climatique. Voilà. Et l'adaptation de la justice climatique. Cet atelier de Global Platform Mali a permis de renforcer les capacités des acteurs locaux et nationaux tout en les sensibilisant à l'importance d'une approche juste et inclusive pour lutter contre les changements climatiques. Le forum quadripartite des pays de l'AES et de la Guinée avec le Togo comme invité spécial se tient à Bamako depuis ce lundi matin.
organisé par la Haute Autorité de la Communication HAC. Ce forum vise à renforcer la collaboration entre les autorités de régulation du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Guinée et du Togo pour une régulation efficace des médias en période de transition afin de contribuer à la stabilité et à la paix dans ces différents pays. Le compte-rendu du début des travaux avec Assitan Diallo et Zakaria Oumar Keïta. La régulation des médias en temps de crise. Tel est le thème de ce forum quadripartite des instances de régulation des médias. Un thème autour duquel différents régulateurs venant du Burkina Faso, du Niger, de la Guinée-Conakry, du Togo et du Mali vont échanger. Le but est et reste toujours de lutter efficacement contre la désinformation, facteur de déstabilisation dans nos États et entre nos pays. Le présent forum doit amener, entre autres, les participants à partager leurs expériences et les bonnes pratiques en matière de régulation des médias, d'identifier les défis communs et d'élaborer des stratégies conjointes pour y faire face, de promouvoir la liberté de la presse tout en assurant le respect des normes éthiques et déontologiques. Nous avions réaffirmé notre engagement à protéger et à promouvoir la liberté de la presse. À une seule condition, que cette presse soit indépendante, mais suffisamment responsable. Partage d'expériences, identification des défis, proposition de stratégies conjointes pour relever les défis de la régulation des médias sont entre autres résultats attendus au terme de ces deux jours de travaux. Il s'agit de partager les expériences et les bonnes pratiques en matière de régulation des médias en période de transition, d'identifier les défis communs et élaborer des stratégies conjointes pour y faire face. Et bien sûr, promouvoir la liberté de la presse tout en assurant les normes éthiques et déontologiques. En rappelant le contexte de complexité de vos travaux, je ne doute pas un instant que du forum de 2023 en Guinée-Conakry, à celui de 2024 à Bamako, et à en juger par la diversité et la qualité des participants, que beaucoup d'expériences ont été acquises et beaucoup d'expertise identifiée afin que les conclusions soient à la hauteur des attentes. Ainsi, du 2 au 3 décembre 2024, ces différents régulateurs vont échanger autour de plusieurs thématiques en vue d'une régulation efficace des médias dans les pays de l'AES et du Togo et en Guinée. Après deux jours de travaux, les rideaux sont tombés le vendredi 29 novembre 2024 sur la journée scientifique de l'Institut national de formation en sciences de la santé. Ces journées ont mis en évidence l'engagement constant de l'Institut dans la promotion de la recherche en santé et la formation professionnelle compétente et responsable apte à répondre aux enjeux de santé publique. Diakité Lassine. Les journées scientifiques organisées par l'Institut national de formation en sciences de la santé, INFSS, ont été un moment de rencontres et d'échanges fructueux entre les chercheurs, les étudiants et les professionnels du secteur médical et paramédical. Ces journées, placées sous le signe de l'innovation et de la collaboration, ont permis de mettre en lumière les avancées récentes dans le domaine des sciences de la santé, tout en offrant un espace pour la réflexion sur les défis actuels auxquels est confronté le secteur de la santé. Je suis très comblé. Je suis très comblé et vraiment parce que c'est la toute première fois depuis la création de la première école de formation des paramédicaux publics au Mali en 1944, donc environ 80 ans, presque un siècle, qu'on a organisé pour la première fois les journées scientifiques de l'Institut national de formation en sciences de la santé. Nous avons regardé parce que nous avons pu créer un laboratoire de recherche, dénommé laboratoire de recherche en santé et management. Et nous avons aussi créé une revue que nous avons appelée la revue africaine en santé et en management. Donc ces outils-là nous permettent aisément d'initier des journées scientifiques pour pouvoir alimenter la revue en même temps et booster la recherche dans notre institution et en même temps faire de la recherche sur les problèmes du pays, essayer de trouver des solutions afin de soumettre ça aux plus hautes autorités pour pouvoir prendre en compte afin de résoudre les problèmes dont souffre le pays.
La fin de cette journée ont été marquées par la remise des prix aux chercheurs et aux meilleurs étudiants de l'année. Ces distinctions, qui soulignent l'excellence de la recherche et de l'engagement des jeunes talents, ont été accueillies avec enthousiasme par l'ensemble des récipiendaires. Je reçois aujourd'hui cet honneur avec une immense gratitude. Ce prix renforce ma détermination à poursuivre cette voie avec passion et dévouement au service de mes patients et de ma communauté. Je remercie sincèrement la direction de notre institut pour cette reconnaissance et je m'engage à en être digne. Celui qui n'encourage pas l'excellence récolte la médiocrité. Vraiment, quand quelqu'un travaille bien, la personne doit avoir des récompenses proportionnelles à la qualité de son travail. Et c'est ce que nous avons fait. Toute l'école, d'abord Bamako, l'annexe de Kaï, Kita, Bougouni, Kouchala, Ségou, Mopti, toutes les sept annexes, et on a vu qui est le premier de toutes les sept annexes plus Bamako, donc les huit écoles, le premier de toutes les huit écoles, puis les premiers de chaque école, Bamako, Kaï jusqu'à Mopti, puis les premiers de chaque classe, les premiers de chaque cycle, et là, ça c'est très motivant. En fin de compte, les journées scientifiques de l'INFSS ont été un succès, offrant aux participants une occasion précieuse de s'informer, de discuter et de nouer des partenariats pour faire avancer la recherche en santé. Vu leur importance et leur succès, les organisateurs ont promis de pérenniser l'initiative. Religion, pèlerinage national à Kita. Plus de 5000 personnes ont pris part au 53e pèlerinage national à Kita le week-end dernier. Un événement marquant pour les fidèles chrétiens catholiques des six diocèses du Mali. Les participants ont pu réfléchir sur leur action et s'engager dans une démarche de conversion individuelle et collective. L'événement a enregistré la présence des autorités du pays. Gabriel Keita du retour de Kita pour les détails. Situé à 187 km de Bamako, Kita a accueilli des milliers de pèlerins venus de partout à travers le Mali à l'occasion de la 53e édition du pèlerinage de la communauté chrétienne catholique. Les sessions de prière ont permis de renforcer les liens et de favoriser un cadre d'échange et de retrouvailles entre les fidèles chrétiens. Le thème de cette année, Jeunesse du Mali, ensemble pour le Mali croit, résonne avec les défis et les aspirations du pays selon les pèlerins. Alors chaque année, les thèmes changent, mais toujours c'est basé comment ensemble bâtir le Mali croix. Cette année, nous interpellons les jeunes parce que qui parle de jeunes parle de soubassement, parle de l'avenir, de la construction de l'avenir à partir du soubassement. Donc des jeunes bien engagés, bien formés, bien engagés, c'est ça qu'on demande pour pouvoir donc construire, voilà, bâtir ce Mali croix. Voilà pourquoi le thème de cette année est basé sur la jeunesse, pour dire qu'ensemble avec les jeunes, nous devons bâtir le nouveau Mali. Donc Mali croix, c'est dans ce sens-là. Donc c'est un engagement avec les jeunes, mais surtout basé sur les jeunes, pour voir ensemble comment on peut réfléchir, voir ce qui est mauvais, ce qui est bon, prendre ce qui est bon et l'améliorer et aller vers le Mali croix. Outre l'aspect spirituel, cet événement annuel est une opportunité pour certains de faire de bonnes affaires. Les chrétiens et les musulmans ont des liens de fraternité. C'est pourquoi nous venons ici pour vendre des articles, afin de faire des bénéfices. Je suis là pour le pèlerinage. En plus des prières, nous profitons de l'occasion pour faire des profits. Le samedi à 19h30, les pèlerins en procession se dirigent vers la colline mariale de Kita, un lieu saint de la localité, pour une célébration qui a culminé par des prières et des bénédictions pour le Mali. Le pèlerinage s'est achevé sur une note d'espérance et de solidarité avec un souhait ardent de pouvoir participer à la 54e édition. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Fin de ce journal. Excellent début de semaine à tous. À bientôt.